Il se fout de moi là. Allez, FF ta game gros. Ah mais c'est trop chiant les gens comme lui hein. Gadget expert. Avec casse les couilles. J'ai pas le temps. Je peux pas deux trucs en même temps. Merci Stup pour les 2 mois d'abonnement. Parfait Yonix, c'est exactement ce que je vais faire. Yonix on fire, full statique. Six Godan pour les 4 mois. Gadget Expert marche pas avec Sunfire, c'est exact, ça ne marche pas. En vrai, je vais prendre un arc. Je vais prendre un arc parce que c'est sur un Aphelios. Merci Kriwar, merci pour les 2 mois. Ça se dit comme ça le pseudo, mais. Moi je pense que Runan ça marche hein. Ouh, chiche. Du coup on peut mettre un petit Runan sur Rengar, je pense que ça marchera très très bien. On sacrifie le statique. Peut-être c'est Juani plus Lurel. C'est sûr que c'est ça même. On s'en fout d'avoir assassin. En fait ça a l'air simple, ça a l'air si simple quand on y pense, mais c'est trop fort ça ce truc. Faiblir, bah ouais, mais bon, tu détruis le lobby, je pense. Hein. Je pense vraiment qu'il y a moyen de perdre aucun round. Je sais pas ce qui est plus fort entre les deux. Le plus fort, c'est ça en fait. C'est tellement toxique. J'aime trop. En fait, ça va downscale, mais c'est trop fort en early, c'est ça le problème. J'ai envie de prendre 2 ou 3. Je pense que dans mon spot, c'est 2. Du coup, je sais pas ce qui est plus fort entre Ionic Spark et Static. C'est quand même pas mal Static, hein. Le problème d'Ionic, c'est qu'il faut attendre que les mecs y castent. Je
préfère me dire que statique ça marche très bien et on va aller chercher un gear Rengar ou quoi. Ah Zira il va pas s'amuser là. Il l'a tué, zéro unité. Morello? Non, non. Je pense qu'on veut pas faire Morello. On veut Zeke, oui. Il a pas de sustain sur son Lee Sin, je pense qu'on va pas perdre. J'ai envie de roll jusque 30 gold pour garder la streak. Peut-être même plus que 30 gold. Nah frérot, Panthéon 2, Zippy 2, Jace, Varus 2. Je suis tombé sur le mec qui joue Calculated Loss qui a mis tous ses golds. Je suis même pas certain que ça soit le meilleur truc hein. Si ça se trouve ça c'est plus fort hein. Eh merde, j'ai pas eu le temps. Ça peut être lourd Ginzu statique, non? Sur Aphelios. Oh, c'était Warmog plutôt que Morello, mais j'ai déjà Sunfire. Pourquoi je devrais faire Morello si j'ai déjà Sunfire? Bumble dans ce lobby, c'est pas incroyable, mais...
Je pense qu'un Zeke ça mettrait bien quand même. Hop, pas slam titan. Et parce que j'ai pas envie de slam titan. Par contre, là, on a Rengar, Bramble. Et on peut mettre ça sur Swain, c'est très bien. On aura une tire en trop, mais c'est pas grave, je pense. Tu restes sur statique? Ouais, ça me plaît statique. Hein. Je vais jouer double Rengar jusqu'à avoir Rengar 3 et là je mettrai un Grave, je pense. Ou double Rel. Il y a des très bons augmentes pour jouer sa comp. Pas ça. À mon avis, je vais devoir retirer statique au bout d'un moment. Je crois qu'on veut mettre un troisième item sur Rengar, ça ce serait bien. On en a Graves 2. Ça en Runan c'est très bien. Je pense que ça va sur Aphelios. Et si on a un troisième item, on le remove, on remove et on met tout sur Graves. Si on trouve un Edge of Night ou, une BT, je pense qu'on fait ça. Deux items spammés sur Graves, bah les items ça scale entre eux, tu vois. Et Aphelios, Graves soit un statique, donc Ginzu l'a fait mieux scale, et du coup bah il a déjà deux items AS, le Runan est mieux aussi sur lui. Graves, si t'as pas un truc défensif sur lui, je pense que c'est pas un perso en fait. Mais mon Rengar se fait one shot, genre c'est... not funny. Alors soit on lui met, soit on met tout sur Graves. Et on attend d'avoir du sustain. C'est pas mal 65 AD quand même. Que je sois direct dans le wave. Et la Soraka, a priori, elle est le meilleur direct. C'est juste un très mauvais match-up, ça. Hein. Je peux rien y faire. Hein. Je pense que je pourrais jamais gagner contre lui. En fait, la raison pour laquelle Daijas a hard counter Rengar, c'est que... En fait, Rengar va tout le temps jump sur une autre unité que lui. Parce que déjà, un... il est en 2 dragons, et quand, quand ils sont en 2 dragons, ils gagnent 20 armor et magic resist. Et en plus, il a une spat guild dessus. Donc en fait, tu regardes l'armure et la magic l'armure de tous ses persos. Daija, c'est genre le troisième plus haut armure de tous ses persos. Donc, bah donc, il va jamais prendre le target de Rengar, parce que Rengar va jump tout le temps sur l'unité qui a le moins d'armure. Donc bah, c'est un peu cringe en fait.
Bah je crois que je suis un peu condamné à top 4 avec cette comp hein. Ouais, juste rien à faire. Ingagnable. Même avec un setup classique, c'est juste sa compo est trop fort contre la mienne. Faut juste espérer que l'autre fasse moins bien que moi. C'est le cas. Top 2. C'est très bien top 2. Top 2. Derrière un match-up ingagnable. Thank you.